Bonjour, je suis Abigail, psychologue dépressif. Aujourd'hui sur le Divan Express, j'ai l'immense bonheur de partager un moment intime avec le double champion du monde de air guitare, Günther Love. Plutôt Nadal ou plutôt Federer ? Tennis. Plutôt dessus ou plutôt dessous ? Passif. Êtes-vous plutôt Raoul Wolfoni ou Lulu La Nantaise ? Voiture. Plutôt Mélissa Theuriot ou Jamel Debbouze ? J'aime pas la bouse. Plutôt Mickey ou plutôt ? Disneyland. Si vous étiez un moment intime. Un tapis violet. Si vous étiez une rime en houille. Une ratatouille. Si vous étiez un oiseau. Un mammifère. Si vous étiez un film américain. Bienvenue chez les Ch'tis. Si vous étiez un fromage. Cheddar. Est-ce que vous trouvez pas, Günther Love, que la vie est parfois un peu cruelle, un peu dure ? Non, pas du tout, c'est qu'une succession de bonheur. Est-ce que vous arrive de regarder parfois vos doigts de pied en vous disant « c'est marrant, ils n'ont pas poussé par rapport aux doigts des mains ». Eh bien alors, c'est pour ça que je mets des répétos dorés, c'est que je ne les vois plus mes pieds. Est-ce que vous connaissez une chanson albanaise que vous pourriez chanter en canon ? Kourou koukou, kourou koukou, stash, 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 ça se termine en H parce qu'il faut toujours qu'il y ait une moustache dans le tas. Est-ce que vous avez déjà été quitté comme une merde, par quelqu'un que vous aimiez depuis 14 ans et qui serait parti avec votre meilleur ami ? Ce qui s'est passé, c'est que c'est moi qui suis parti avec mon meilleur ami. Vous êtes-vous demandé comment est-ce qu'un mec un jour se dit « je vais devenir proctologue » ? Je pense que le proctologue, c'est typiquement le type qui voulait faire de la spéléologie, qui n'a pas eu les compétences requises et qui s'est dit « quitte à visiter des trous, je vais commencer par le mien ». Et du coup, c'est limité à des trous du cul. Et ça, c'est pas mal, hein, parce qu'il y a beaucoup de trous du cul quand même. Si vous pouviez vous réincarner en un animal mort ? Je dirais Carlos. Ah ouais. Ouais. Est-ce que vous croyez que les oiseaux peuvent voler en arrière ? Oui, je crois que l'albatros est tellement con. Hein. Quand il y a beaucoup de vent, qu'il croit qu'il va avancer, donc c'est pour ça que c'est ceux qui planent. Ah, il plane. Il plane. Et donc, il n'avance plus. Et je crois même qu'il, du coup, ça le fait là en arrière. C'est quand la dernière fois que vous avez dit « je suis heureux » quoi ? Quand je suis rentré dans la salle et que j'ai vu la couleur du tapis. Et là-dedans, tu es sûr que tu peux retrouver dans 2 ans tes clés de maison, ou même ta femme, s'est perdue dans les poils. Est-ce que la célébrité vous a apporté plus de bonheur ? Ah, moi, je connais le star system, la célébrité, c'est pour les losers. Ça. Est-ce que c'est pesant d'être obligé d'être drôle tout le temps comme Non, parce que le problème, c'est que tu ne peux plus aujourd'hui à demander ne serait-ce qu'une bière à un bar. C'est-à-dire que le type, sans cesse, je lui dis une bière, le type rigole. Je lui dis, je voudrais une bière. Le type continue de rigoler, puis il passe, repasse. Et au final, je ne bois plus. Être marrant, en fait, c'est vaincre l'alcoolémie. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux gens qui sont dépressifs pour qu'ils s'en sortent ? Un bon discours présidentiel. On termine par saupoudrer par une petite assemblée nationale le mercredi midi. Est-ce que vous voulez connaître mon mantra pour le bonheur ? Ah, avec plaisir. Je ne suis qu'une merde. Mais je l'assume. J'assume. Je veux crever sans amertume. C'est bon, non ? Ouais, moi aussi, j'aime pas l'amertume, tout ce qui est en dessous du pH 7. Moi, je préfère le pH neutre. Ouh. Ah. Ouh. Oh. Ah. Voilà. La séance est terminée, Günther Love. C'est fort dommage.